Très chers membres de la communauté AOC internationale de par le monde entier, soyez tous salués selon vos positions géographiques. Ici votre humble leader AR, membre de la communauté Alpha Omega Coin. On se retrouve sur notre chaîne YouTube et nous allons voir aujourd'hui l'application qu'on appelle ZofTrader. ZofTrader est cette application qui vous permet de faire les conversions de USDT ou de n'importe quelle crypto-monnaie, voilà, qui sont bien évidemment acceptées sur cette plateforme. Vous pouvez les convertir en monnaie locale. Si vous êtes dans la zone franc, c'est que vous utilisez le franc CFA. Sur cette plateforme, vous avez la capacité de changer vos monnaies locales en crypto-monnaie et vice-versa. Alors, attention, ce que nous devons savoir ici, l'application ou le projet même, le projet Alpha Omega Coin n'a aucun partenariat ni aucun lien avec cette application qu'on appelle ZofTrader. Seulement, l'administration est là pour faciliter, la tâche à nous, les membres. Alors, ceci a été conçu juste pour nous permettre, de voir un peu comment ça se passe avec les échanges. D'où, l'utilisation ou l'usage de ce tutoriel est librement et volontairement consenti, sans pression ni compression. Alors, si vous avez bien gardé cette attention, on peut maintenant passer au vif du sujet et rapidement, on va se diriger vers Play Store pour le téléchargement. Une fois que vous êtes sur Play Store, vous téléchargez l'application ZofTrader et vous lancez, vous cliquez sur Ouvrir. Alors, une fois que vous cliquez sur Ouvrir, ici, on va tout simplement choisir un email pour se connecter rapidement et avancer. Mais notez que ici, on dit quoi? On dit, si vous aviez créé un compte avec votre numéro de téléphone, contactez-nous pour récupérer vos fuel bonus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ici, il y a une organisation, où vous pouvez partager des récompenses entre sponsors et fuel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, là, il y a des récompenses que les membres se partagent. C'est-à-dire ceux qui font l'affiliation sur cette plateforme. Alors, donc on va cliquer sur se connecter avec Gmail. Alors, une fois que vous venez sur cette page, vous prenez votre email que vous voulez utiliser. Voilà, donc je prends ceci, à titre d'exemple. Et dès que vous mettez l'email, vous allez tomber sur cette page. On va vous demander de renseigner, ces informations. Donc, on va rapidement commencer. Ici, on met le nom. Donc, je mets un nom ici à titre d'exemple. Vous mettez votre nom, vous mettez votre prénom. Ici, vous mettez l'email, d'accord? Donc, je mets ceci. Ici, vous mettez votre adresse, d'accord? Là où vous vous trouvez, vous mettez l'adresse tout simplement. Moi, je vais mettre ceci à titre d'exemple. Voilà, je mets ceci. Et vous mettez la ville ici, la ville. Alors, je mets Porto toujours, Porto Novo. Vous mettez votre ville de votre côté. Ici, vous choisissez votre pays, d'accord? Donc, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal aussi. Voilà les pays qui sont éligibles sur cette plateforme. S'ouvrez un peu. Donc, pour cet exemple, je vais prendre le Bénin. Donc, vous choisissez votre pays. Et ici, on demande le lien de votre Telegram. Voilà, vous mettez, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ici, on demande de mettre le code de votre parrain. Celui qui vous a parlé de cette application, vous prenez son lien de parrainage. Là, s'il y a des récompenses, vous partagez entre vous les récompenses. Donc, vous mettez l'idée de votre parrain là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, je vais mettre peut-être ceci. Et une fois que vous mettez le code de votre parrain, vous cliquez sur « Enregistrer ».
Félicitations, vous venez de créer avec succès votre compte sur ZofTrader. On va revenir dans un autre tutoriel. On va voir comment faire les échanges sur cette plateforme. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec vos coordonnées. On se dit à très bientôt.